Bonjour, c'est monsieur et madame. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo est un top 5 de mes lutteurs préférés de la WWE. Donc, on commence tout de suite par le numéro 5, qui est nul autre que le célèbre Randy Orton, qui est né aussi le 1er mai 1980 à Lenoxville. Il est aussi catcheur américain et acteur américain. Il fait ses débuts dans les programmes de la WWE en 2002, où il rejoint vite le clan de l'évolution composé de Triple H, Batista et Ric Flair. Il remporte son premier titre mondial de championnat du monde de poids lourd à SummerSlam, face à Chris Benoit en août 2004. Qui est aussi un des lutteurs préférés et que j'aime beaucoup, il s'agit de John Cena. John Cena est né le 23 avril 1967 à West Newbury, au Massachusetts, et aussi un catcheur et un acteur américain comme Randy Orton. Il a commencé sa carrière de catch en 1999 dans la fédération indépendante de la Ultimate Pro Wrestling, où il a remporté le championnat du monde de poids lourd de la UPW en 2003. Non, en 2000. En 2001, il signe un contrat à la World Wrestling Federation, qui sera appelée plus tard la World Wrestling Entertainment. Donc la WWE. Donc avant, c'était la WWF, mais là, aujourd'hui, on appelle ça la WWE. Le numéro 3 est une autre aussi de mes lutteurs préférés, qui se fait surnommer The Big Dog. Vous avez sans doute déjà deviné de qui je parle, et c'est nul autre que Roman Reigns. Roman Reigns est né le 25 mai 1985 à Pensacola, et d'origine américaine et... non, catcheur américain et d'origine Samoa, peu importe. Il travaille actuellement à la WWE dans la division SmackDown. Il commence par jouer au football américain à l'université et participe à des camps d'entraînement d'équipe de National Football League. Il rejoint la Ligue canadienne de football chez les Eskimos d'Edmonton en 2010 et il commence le catch. Bon, le numéro 2 est Triple H, The Game. Il commence sa carrière en 1972, puis en 1994, il rejoint la World Championship Wrestling, où il incarne un aristocrate canadien-français nommé Jean-Paul Lévesque. En 1995, Lévesque fait ses débuts à la WWF. Où il est devenu Hunter Hearst Helmsley et plus tard Triple H. En 1997, il a confondu le clan de D-Generation X, qui est devenu un élément majeur de l'ère Attitude. Donc pour lui, c'est un acte très important pour lui, qui est avec son ami Shawn Michaels et qui sont ensemble depuis je ne sais pas combien. Mon premier au numéro 1, qui est nul autre que mon préféré, qui est The Deadman, qui est aussi une légende du catch. Donc je vous demande d'accueillir, c'est Undertaker. Son vrai nom, Mark William Calloway, né le 24 mars 1965 à Austin, est un ancien catcheur américain. Il a été connu pour son travail à la WWE en tant que catcheur. Calloway est considéré comme l'un des plus grands catcheurs de l'histoire. Son look et son personnage sont devenus un symbole dans l'histoire du catch. Tout ça, c'est ce qui complète cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et lâcher un petit like. C'est ce qui veut dire un petit pouce qui pointe vers le ciel, ce qui fait toujours plaisir. Allez, salut!